Bonjour à tous, c'est Ciro Torres. Je vous propose aujourd'hui de travailler un grand classique de la guitare rock, un morceau de 1967 de Jimi Hendrix qui s'appelle Little Wing. Alors la partie la plus conséquente concernant la guitare, ça va être l'introduction. Il y a énormément de travail tant main droite que main gauche, avec donc un jeu beaucoup en barré, dans lequel il va falloir en fait maintenir le barré, et puis vous allez souvent phraser, c'est-à-dire créer des mélodies à l'intérieur de votre barré. Par exemple, prenons l'exemple du mi mineur. Si on le retrouve en barré en 7e case, on a tous les plans mélodiques qui sont inclus à l'intérieur de ce barré en fait. On n'a plus qu'en fait à placer ses doigts pour phraser. On maintient le barré et on phrase à l'intérieur du barré. Ce principe-là s'applique à énormément de mesures. Si vous retrouvez votre grille d'accords en barré, vous n'aurez plus qu'à ensuite placer vos doigts pour phraser. Un autre exemple, par exemple, concernant la mesure en la mineur. Donc si on prend le la mineur en 5e case. Vous avez toutes vos phrases en fait qui sont incluses dans l'accord. Et au niveau de votre main droite, vous allez devoir avoir un jeu très sec, avec une bonne attaque. On commence la première mesure avec un étouffé sur les trois cordes aiguës, en aller. Et 12e case, corde demi grave, sol, si et mi aigu, en retour, avec un glissé, mi grave. Ici on a deux étouffés. Pour ce faire, on repose la main gauche. Et ensuite, on commence justement les plans avec les barrés. Donc ici, en 5e case. Ici, il n'y a pas de difficulté particulière. La 4e mesure en la mineur, vous avez aussi des barrés en 5e case. Donc on retrouve dans cette intro quelque chose de caractéristique chez Jimi Hendrix, c'est-à-dire le jeu en double note, c'est-à-dire on attrape souvent plusieurs cordes en même temps pour phraser. Mesure de mi mineur, il suffit de placer pratiquement l'accord mi mineur ici. Quelque chose aussi auquel il faut faire attention, c'est les liés qui sont très rapides, considérés comme des inserts. Et parfois vous avez dans ce morceau des liés qui sont en rythme avec le morceau, comme dans la mesure suivante. Attention aux grands intervalles aussi.
Vous avez ici des slides très rapides à effectuer. Un lié très rapide encore une fois sur le do. Et on termine comme on a démarré. Donc un petit peu plus en détail quelques plans de l'intro qui caractérisent vraiment le jeu de Jimi Hendrix, notamment cette mesure-ci par exemple. Remarquerez toute l'attaque qui est assez importante ici, au niveau de la main droite, ainsi que tout le jeu en barré et les phrases en double note avec parfois justement aussi les liés rapides, comme ici par exemple, ou ici. Thank you.
Abordons à présent le solo du morceau. Donc ce n'est pas un solo extrêmement difficile, mais soignez en revanche la justesse de vos bends. Et c'est un solo très expressif, en mi mineur pentatonique. Vous avez des liés rapides ainsi que des slides, par exemple, notamment ici. Vous avez un petit lié rapide ici. Vous avez aussi parfois quelques slides. Et la difficulté réside aussi dans la dernière mesure où l'on doit phraser en double note. On finit aussi avec un effet donc vibrato, avec les harmoniques en 12e case, à partir de la corde de ré et jusqu'à la corde demi-aiguë.